السلام عليكم يا أطفال، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. سنبدأ الدرس. Aujourd'hui, nous allons partir en voyage avec la lettre DEL. 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 Et comme les autres lettres, elle a préparé sa valise. الحقيبة. ووضعت فيها الفتحة أ الضمة أو الكسرة إي الألف أ الواو أو الياء إي تنوين الفتح أن تنوين الضم أن تنوين الكسر إن والآن سنذهب في رحلة هيا بنا Comme toutes les lettres, la lettre DEL va tout d'abord nous ramener sur la planète Aktachif, Kaukab Aktachif, wa Kaukab Aktub, thumma atadarrab, ba'da dhalika aqra, wa akhiran ahfad. Mais dans cette vidéo, nous allons rester sur la planète ou Kaukab Aktachif. Hayya bina. Ismi Del. Je m'appelle Del. Del. Et je donne le son de. De. Je vais vous offrir le mot suivant. Dubun. 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 Onduru. Dubun. Hada. Dubun. Dubun. Nous allons voir maintenant comment la lettre DEL a fait pour écrire le mot DUBUN. إذن, لتكتب كلمة DUB, pour écrire le mot DUBUN, on a besoin de la lettre DEL et la lettre B. Vous savez maintenant les enfants que ce qu'on voit ici, c'est deux lettres séparées. Et que normalement, les lettres doivent se donner la main pour faire un mot. Mais on a un petit souci. C'est que la lettre DEL est comme la lettre ALIF et la lettre WAW est une lettre feignante. Ça veut dire qu'elle refuse de donner ses deux mains parce que ça la fatigue. La lettre DEL ne sort que sa main droite quand elle est au milieu et elle ne sort jamais sa main gauche. إذن, qu'est-ce qu'elle va faire pour écrire le mot dubun? Hayya bina, linara. إذن, la lettre DEL, elle va juste rajouter une dhamma. Elle est la première, في أول الكلمة, elle est au début du mot, donc elle ne va pas sortir sa main. Il n'y a pas une lettre avant. Elle ne va pas sortir cette main. Elle va juste rajouter un dhamma. Et la lettre ba va venir juste à côté. Les enfants, la lettre B n'est pas feignante. Elle veut sortir sa main, mais ici c'est qui refuse? C'est la lettre DEL. Donc, la lettre B va cacher sa main. Et pour faire BUN, elle a rajouté les deux dhamma. Mais qu'est-ce qu'on voit ici les enfants? Regardez, ce petit 3. Ah, on a vu, c'était ashadda. Ashadda. Quand on voit « ashadda » sur une lettre, on doit appuyer et dire « bun ». Donc, ça nous fait « dubun ». « Dubun ». « Dubun ». On voit, les enfants, que la lettre « del » ne change pas du tout de forme quand elle va donner la main. Elle a juste une main à sortir. Ce n'est pas comme la lettre « ba » ou la lettre « ta ». Qui sont obligés d'enlever leur deuxième dent. Donc, la lettre DEL appartient à l'équipe bleue. Al-Fariq, Al-Azraq, l'équipe des lettres qui ne change pas de forme. Pour résumer, la lettre DEL,
عندما تكون في أول الكلمة, quand elle est au début du mot, regardez, et toutes les lettres sont après, تكتب هكذا. Elle s'écrit de cette manière et elle ne donne jamais sa main gauche. La lettre del, quand elle est la première, ne donne jamais. Il n'y a pas de main, on ne voit pas. عندما تكون في وسط الكلمة, au milieu, regardez bien, il y a des lettres avant et il y a des lettres après. La lettre del, تكتب هكذا. Regardez bien, elle a donné une main, la main droite, mais elle ne donne jamais la main gauche. عندما تكون في آخر الكلمة, quand elle est à la fin du mot, la lettre dal تكتب هكذا. Elle peut donner la main si on voit avant elle une lettre qui n'est pas feignante, et si avant elle il y a une lettre feignante, elle s'écrit de cette manière. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Et je vais vous préparer la vidéo de la lecture de la lettre Dal. Assalamu alaikum.